Yop les potes, c'est 100K, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma copine qui a eu l'idée, donc il y a quelques semaines Tintin était à la maison, on vous a d'ailleurs déjà sorti plusieurs vidéos à Europa Park, les 20 choses secrètes sur moi. Et on a enregistré cette vidéo au même moment, du coup les abonnés fidèles qui ont vu la vidéo d'Europa Park, ne vous inquiétez pas si Tintin ne dit ne pas avoir été dans ce parc d'attractions dans cette vidéo. Suite à sa réponse, on l'a emmené 2-3 jours plus tard et j'ai préféré sortir la vidéo d'Europa Park un peu plus tôt que celle-ci. J'espère que le concept va vous plaire, c'est un peu une FAQ, un peu plus what the fuck, un peu plus funny. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis bonne vidéo, allez c'est parti. Première question, plutôt Coca ou plutôt Fanta? Moi Mais Coca. Mais non, pas toi, t'es con. Mais lui, il a pas compris le jeu, mais il est con. Il a un jeu avec moi, merde, mais oui, je suis con. Mais il est con. On recommence, allez couper. Ok, première question toute facile. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Ah, jean. Ouais. Ok. Plutôt en voiture, Mercedes ou Audi? Mercedes. Audi. Ouais. Il est chaud. Troisième. Plutôt brune ou plutôt blonde? Blonde. Brune. Ouais, on est bien. On verra jamais en fait. On n'a pas soif. Plutôt. Ah bon? Ouais, non, mais j'attendais. Mais elle, elle a changé toute sa vie. C'est pas faux. Les cheveux bleus. Je suis d'accord avec toi. Plutôt pizza ou plutôt lasagne? Pizza. Non, pizza. Voilà. Plutôt ville ou plutôt campagne? Plutôt quoi? Ville ou plutôt campagne? Bah, ville. Ville. Ouais, c'est bien. Tu préfères la ville. Bah quand même, oui, ça va, quand je vais ici, je respire un peu. Voilà. Mais non, on n'habitera pas tout notre. Tu respires la pollution, quoi. Ouais, mais c'est mieux la ville, tu préfères la ville quand même, quoi, il y a tout qui est proche. Alors, plutôt d'abord mariage ou d'abord les enfants? Oh, la question qui tue. Oh, la question qui tue. En fait, c'est toi qui veux te renseigner. Alors moi je dis que tu préférais te marier d'abord avant d'avoir les gars. Moi, il n'est pas question que je me marie déjà, donc t'as tout fort. Ah merde. Cadeau. Attends, c'était les... Moi c'est les mêmes. J'ai mis pareil, t'inquiète. Tintin, tu penses? Je suis le juge impartial. On va ensemble. J'ai dit aucun des deux pour lui. Non mais c'est l'un. Non mais c'est soit l'un ou l'autre, c'est mariage ou gosse, pour moi. Mariage? Non. C'est vrai? Ah ouais. Oh putain. Bon, allez, vas-y, cheese. Ça, c'est gosse, il lance les pétales comme ça. Les gosses assurent le mariage en fait. Ouais. Là, ça fait du moins en plus, comme ça tu payes davantage, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, vas-y là. Non, c'est comme ça, c'est un mariage forcé en fait. À la vote. Allez, hop, vote. Et du coup, elle est pas fraîche. Non, ça va, ça passe bien. T'as pas besoin, c'est un shooter. Normalement, ouais, tu un glaçon qui brûle. Non, normalement, tu l'allumes. Ah, j'ai des aftes, ça pique. Allez, enchaîne. On continue. Plutôt vacances à la mer ou vacances à la montagne? Moi, je dirais toi, vacances à la mer. Toi, vacances à la montagne, mais sur moi tu t'es trompé parce que je préfère quand même les vacances à la montagne. Bah depuis quand? Depuis qu'on a été à Morzine? J'ai déjà été trop de fois en vacances à la mer. T'as déjà été en vacances? Et le fait, le fait qu'il... La question de base, hein. Non, mais ta gueule, ouais. Le fait qu'il y ait un changement, et ben j'ai kiffé la montagne, tu vois. Ouais. Parce que... Donc, grâce à nous, il faut faire les vacances à la montagne. Mais sinon, je t'emmène à la mer. Ouais, enfin la mer, j'ai déjà trop été... Donc, vu que je t'ai fait kiffer la montagne, moi j'esquive mon verre. Non. Non, tu bois, mais il n'y a pas de risque. Non. Hey, cadeau. Tu m'as fait boire de la merde avant-hier, il n'y a plus de pitié, tu bois. Ah, le bâtard, c'est que c'était ça. Donc, c'est bon, ça y est juste. Ok. Tu peux boire un glaçon, s'il vous plaît? Non, bois, tais-toi. Putain, c'est chaud, hein. Hop, cul sec. Sans glaçon, ouais, c'est chaud. Enfin, ils vont me rattraper, du coup. Plutôt noir ou plutôt blanc? Dans la vie, t'es plutôt noir. Ouais, moi, je sais, plutôt blanc. Blanc. Noir. Blanc. Ouais, mais il peut tricher aussi. Non, vous êtes tellement blanc tous les deux. Non, vous pouvez pas être noir. Ouais, le blanc, je sais pourquoi. La BM, il l'a choisi sans blanche. Tous tes fringues, ils sont noirs. Mais je suis pas forcément mieux en noir qu'en blanc. Mais je non, mais c'est pas bon parce que la première fois, elle est blanche, je crois, elle est noire. Okay. Ouais, c'est vrai que ça aurait mieux. Ou la camo. Où il n'y a pas de blanc et il y a que du noir dessus, presque. Non, mais honnêtement. Noir. Honnête. Bah, vas-y. À domicile. Ouais, mais quand on allait dans les soirées. Et c'est parti. Tête. Attends, je te le donne. Ah vas-y, le service. Le service. L'arbitre qui valide le test. Voilà. Alors, plutôt chien ou plutôt chat? Chien. Aucun des deux. Mais vas-y. Ah si, j'ai pas le droit. Doudou, il t'a un chien, gros. Ouais. Chien. Moi, chien? Ouais. Honnêtement, en vrai, je préférais un chat. Obligatoirement. Putain, un chat. Tu disais que t'es chat aveugle, là, t'en avais ras le cul avec la meuf. Tu viens me dire le chien, en fait. Putain de merde. Non, honnêtement, tu sais pourquoi? Moi, j'aurais répondu chat pour lui et chien pour lui. Ouais. Chien pour toi, parce que tu kiffes le mien. Il en a un. Ouais, et en plus, lui, chat, parce qu'il s'occupe jamais de rien. Alors? Non, attends, on enchaîne. Eh, tu bois? Je préfère l'argent. Tu t'es trompé. Oui, c'est ça. Ah, tu préfères les chats, c'est vrai, merde. Ah, ouais, je préfère les chats. Ah, mais je veux des glaçons. Je veux des glaçons. Tu veux des glaçons? Tiens, mais ça, moi, c'est plus frais. Tiens, un glaçon. Hop. Ouais, tranquille. Allez, bonne santé, bonne année, comme vous voulez.
Vodka. Ça passe tellement mieux avec la... Le Red Bull. Sans placement de produit, bah ça va, ferme ta gueule. Ah merde. Ça fait deux mois et le Red Bull il est frais quoi. Oui, ok. Le produit là quand il dit bon. Non, mais t'as à peu près ta confusion, je peux faire mettre les cheveux clairs. Question intéressante, on connaît déjà toute la réponse. Ah, allez. Plutôt canard ou plutôt connard? On dit que t'es plutôt un canard. Bah, je voudrais que t'es un gros connard aussi. Hein. Tu veux que je te dise quelque chose? Ah, bah je m'en fous, je boirai pas moi. Je te dise quelque chose? T'es un connard. Ouais, ouais, bref, au final, je suis un peu des deux. Quand je vois ce qui s'est passé, je ne dis rien. Ouais, je t'ai dit, t'es les deux. Je ne dis rien. Donc, ça se passe, je bois un demi. Non, en fait, non, ça bref, vous êtes des connards, point barre. T'as pas besoin de boire. Vous êtes des connards, point barre. Suivant. Plutôt viande ou plutôt poisson? Ah, bah viande. Viande, les deux. Ouais, donc on boit pas. Si, si, tu c'est quoi ce verre de bâtard là? Non, ça, c'est que t'as revu. Ah, c'est lui qui a rajouté ce qu'on a. Ouais, il y a de la vodka quand même, pas que je triche. Non, j'ai mis un peu. Bon, vas-y, go. Alors, pour votre copine, donc désolé Tintin. Mais c'était dans le temps. Allez, à rigueur, je reviens deux semaines en avance. Tu vois. Vous êtes plutôt Dior ou plutôt Chanel? Oh, Chanel. Bah, bref. Ah non, mais putain, j'ai dit en pensant à toi. Ah bah merde. Donc en gros, tu vas dire Chanel, connard. Dis Chanel, dis Chanel. Ouais, bah attends deux secondes. Chanel, toi, dans ce cas-là. Okay. Mais toi. Chanel, vas-y. Je pars du principe où j'ai jamais rien acheté pour une meuf parce qu'on m'a jamais rien acheté. Ouais, mais on s'en fout. Bah, remarque, entre Dior et Chanel, si elle aime aucun des deux, je vais pas le. Donc je peux pas savoir, j'en sais rien. Donc. Alors. Donc, on la mettra pas. Bon, bah la question en termes de moto, plutôt Honda ou plutôt Yam? Oh putain, vous m'emmerdez, vous en avez. Yamaha. Bah en vrai Yamaha tu sais quoi parce que j'en sais rien. Mais il y a une Souze en plus. Bah, rien à voir. Rien à voir au final. Et y a un... Non mais c'est Yamaha c'est Honda. J'ai une Honda mais c'est mieux que la vraie tu sais quoi, je sais pas. La mienne. Non, il y a des Honda qui sont propres aussi j'avoue. Elles sont non. Toutes... Non. Non, si, c'est la mienne. Non. Bah la mienne elle est propre. Non. Tu rigoles, elle est grave propre. R6 Forever. 2000 years later. Bref, moi j'ai ma sportive et puis bon, donc, on voilà. Boit pas. C'est ça, on boit pas. Les gars, quand ça se lève, on boit pas. Non. Ok, alors plutôt copine timide ou plutôt grande gueule? Voilà. Bah. Attends. Juste pour qu'on mette les points sur les i. Oui. Grand. C'est genre la copine qu'on a actuellement ou la copine c'est, qu'on aimerait? C'est la copine que t'aimerais. Ouais. Ah, la voilà. Copine que j'aimerais, moi je préférais une copine. Ah non, ouais, non. Non. Ah. Donc on ça connaît va. La première. Ça va être super drôle. Tu veux faire ce que tu veux? Ouais, moi je veux une meuf timide. Ouais. T'as tapé dans le mille, mais toi par contre je crois que tu veux une timide aussi, mais ouais. C'est pas le cas. Du coup, mais tu fais un mec. J'ai une putain de grande gueule. Non, en vrai, moi aussi, tu peux une pour qui meuf réservée et qu'on la laisse tranquille, c'est tout. Ouais. Question donc, suivante. Au final, t'as une grande gueule, mais on la laisse tranquille aussi, donc au final, c'est ouais, pas mal. Ouais. Ouais. Alors, ah. je me contenterai de la réponse sans rentrer dans le elle débat. Elle était bien, elle était bien. Plutôt ami ou plutôt famille? C'est quoi ça? Ami ou famille? Plutôt ami ou plutôt famille? Ton pote ou ta mère? Non, mais la mère, il faut pas qu'on parle comme ça. Bon, bah ta famille, soeur. D'accord, voilà. On va dire alors, je suis plutôt. Ah non, bah c'est non. Pas. Alors, bon, bah c'est bon. Moi je dirais plus pote pour toi. Ah, t'as faim ouais. Ah, archi famille. Ouais. Famille, mais concentrée petite. Oui, okay. Trois personnes. Bah, famille, petite. Famille quoi. Bah oui, ouais. Non, mais. Et toi, je dirais pote. Ouais. Bah, ça a changé depuis certaines choses. J'ai raison. Ouais, je sais que tu me considères comme ta famille, gros, mais. Non, même pas, j'ai. Ah, il a dit non, ta gueule. Alors, il mettrait une musique épique. Mais moi, franchement, je suis arrivé à un stade où je préfère beaucoup plus les potes que la famille parce que j'ai perdu toute notion de l'âge. Alors, moi, depuis que j'ai des problèmes dans ma famille, moi, je kiffe retrouver l'ambiance de Noël. Tu viendras ici à Noël. Oui, je viendrai ici à Noël. Après Noël, l'ambiance de Noël, elle est super. On se sera bouffe si tu veux à Noël. Non, mais à Noël, ça sort en famille, ça se fait pas avec ses potes. Ah, mais oui, mais on sera sur le 31. Bah, c'est le nouvel an. J'ai pas de famille, je m'en bats les couilles. On fera les deux, gros. Et bon, ma famille, les gars. Ouais, vas-y, deux. Ouais, ouais, je te jure. Allez, il est gratuit celui-là. Pour Ludo, il est gratuit, allez. Il l'a mérité. Merci. Question suivante. Alors, plutôt Disney ou plutôt Europa Park? Je veux pas savoir. T'inquiète, dis le deuxième, c'est mieux. Je n'ai pas été encore. Toi, je dirais plutôt. C'est pour lui, trop du cul, va. Plutôt Europa Park. Je peux pas savoir. Mais non, il a l'autre. Alors, tu sais quoi, je bois un coup maintenant. Bah pourquoi? Mais il est con. Bah t'es un âne. Mais il est con. Mais lui c'est obligatoirement Europa Park.
Il a jamais été à Disney. Si. Ouais, mais une fois, mais c'est nul Disney par rapport au Europa Park. Qui ouais. c'est qui m'a mis une pierre là-dedans? Tu sais, j'ai croqué un truc. C'est moi, je t'ai mis un glaçon. Tu m'as dit, mets-moi un glaçon, je t'ai mis un glaçon. Pour moi, ça sera juste Disney parce que pour l'instant, je peux pas dire qu'Europa Park c'est mieux, j'y suis jamais allé. Mais c'est pour lui, pas pour toi. Mais lui, mais laisse-moi le temps. Mais lui, c'est obligatoirement Europa Park. Mais laisse-moi le temps de chier si tu veux quelque chose de bon. Ah bah, fais caca. Ah, bordel. Fais caca. Bon, t'as des caca. Moi, je dirais Europa Park parce que Disney, c'est un truc de gosse et t'aimes pas Disney. Mais non, tu viens de dire le contraire là. Non, ça va encore Disney, ils ont. Non, Europa Park, c'est mieux. Ouais, non, Europa Park, c'est le top. Mais la partie Disney Studios là, c'est moins pour les gosses. Ratatouille. Est pas mal déjà, tu vois. Mais Europa Park, c'est le top. Europa Park, c'est le top. Ah bah Europa Park, c'est au-dessus du lot. Du coup, suivante. Ouais. Alors. Tu t'arrives pas à te relire ou quoi? Vous êtes plutôt cœur ou plutôt raison? Cœur ou raison? Cœur ou raison? En gros, tu penses avec ta bite ou avec ton cerveau? Bah toi, au bout de 8 ans, je pense que c'est moi. À toi. Franchement, et le choix est dur. Hein. Le choix est dur. Laisse-le commencer. Lui, laisse-le commencer lui. C'est toujours toi qui commence. Laisse-le commencer. Je vois sa personnalité. Je sais que c'est un chien. Non, non, lui il se mouille jamais. Lui, ouais. Lui il dit raison. Non, lui il est romantique. Mais c'est pas moi qui ai choisi la raison. Lui c'est un artichaut. Si tu aurais dit la raison, tu te serais dit la meuf elle est en Suisse. Je commence même pas une relation que j'ai jamais eu voir la meuf. Ouais, voilà, c'est les dossiers. Non, mais vrai, je choisis pas, c'est le cœur qui décide. Donc, ouais. Non, pas de coupure, nous on dit tout. Nous on se dévoile à la caméra. Non, lui, donc, c'est quoi toi? J'ai bu moi. Lui c'est un artichaut et lui c'est quoi? Moi j'aurais dit raison. C'est un connard un artichaut. Moi j'aurais dit cœur, tu vois. Moi j'aurais dit cœur. Ouais, lui c'est cœur. Tu m'aurais dit raison, tu m'aurais dit. Non, lui c'est cœur. Bah pour moi, raison. Donc, non, il fait raison devant ses potes, mais c'est cœur au final. Retrace-toi là, putain. T'as vu où t'es là? Oui. Je suis au fond de mon canapé chez moi tranquille. Mais bah, arrête devant ta caméra. On est à l'aise. Allez, on continue. Mais oui, je pense aussi. Oui. Mais bien sûr. Plus. Ah, t'es vous devant, devant. Mais y'a rien du tout. Bon, ça sera affiché depuis une vidéo, bim. Une fois tu pètes, une fois tu rôtes, troisième fois t'es viré. Je m'apprêtais à dire, c'est sa vidéo, faut y rien à foutre, il fait ce qu'il veut. Il a dit, t'es viré, par question suivante. Alors, au niveau des films. Vous êtes plus Fast and Furious ou plus The Purge? Oh là! Oh! Pas mal! Nightmare alors! Alors moi je dis Fast and Furious. Bien joué, et toi je dis Fast and Furious aussi. Ouais. Voilà! Et moi? Toi je dis The Purge. Ouais! Elle a hésité quand même. Les Fast and Furious à l'ancienne ils sont. À l'ancienne, vraiment très ancien! Non, même encore à l'heure actuelle, l'histoire elle a réellement un sens et. Même s'il y a trop d'effets spéciaux. Hein, c'est un choix, putain, enfin les deux je kiffe. Bah après, non, mais ça dépend quelle période de Fast and Furious tu parles, parce que là ils ont fait un truc sur 20 ans. Toute période confondue, depuis que je suis tout petit je regarde ça. Alors ouais, toi, la pure, je la regarde une seule fois, le poil est vite fait. Ah, franchement, les deux j'aime bien. Moi aussi, bah en plus t'avais fait ta bande annonce. Ouais, la bande annonce que je me suis fait striker d'ailleurs, merci. Je sais pas qui a fait le film. Ils ont prévu la monétisation quoi. Ils ont dit la vidéo tu peux la laisser, mais on prend les sous quoi. Bande d'enfoirés, on fait le travail mais c'est toi qui es payé. Ah bah, ouais, ça me rappelle la France. C'est dur à faire ça en plus. Donc on voit pas.